Salut à tous les amis, c'est Guitas Gamer et aujourd'hui on va se retrouver sur un nouveau jeu PC, donc on va tout de suite lancer, donc qui s'appelle PC Building Simulator. On va tout de suite lancer le jeu d'ailleurs, voilà, donc il est sur l'Epic Game Store, je crois qu'il y est gratuitement, vous allez voir hein. Donc moi on va être en mode carrière, simplement. Évidemment, je pense que le son du jeu il est plutôt pas mal. Donc après si j'ai le temps dans la vidéo je vous montrerai aussi l'extension IT ou je sais pas quoi là. Donc du coup voilà. Après vous avez un mode comment créer un PC et création libre, donc après ça c'est pas important mais bon. Donc moi on va faire carrière, hop, continuer, comme ça vous allez voir ce que je fais, dans ce jeu évidemment. Hein. Donc du coup, là j'ai deux établis, donc, ce qu'ils appellent des établis hein, tout simplement. Hein. J'en ai un ici, j'en ai un ici, et celui-là normalement je le débloquerai au niveau 8. Et je ne suis qu'au niveau 3, hein. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et ici en gros c'est tout simplement bah, le bureau pour quand le bah le enfin moi en gros le personnage quoi quand il reçoit ses mails ou un truc comme ça quoi. Donc voilà, donc par exemple là je vais dans mes mails et vous voyez j'ai reçu plein de mails de clients ou je sais pas quoi. Donc par exemple celui-là bah récupérer parce que celui-là était déjà fait donc du coup ignorer. Là, il me reste celui-là ça on va faire accepter, ok, ça accepter. Ça accepter, ça accepter, et ça c'est par rapport aux nouvelles pièces. Ok, donc ignorer. Ok, donc ça c'est bon. Donc par exemple, on va faire là, on a quoi? On a deux ordi, genre. Donc là, on nous dit par exemple l'objectif. On nous dit que le PC peut démarrer en utilisant le OS, enfin l'OS quoi. Et il faut améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Et on nous dit terminer avant la fin de journée, 01/2/2018. Voilà. Et le deuxième, on nous dit le PC peut démarrer en utilisant l'OS et améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Donc jusqu'ici rien de plus simple. En fait pour les deux faut faire la même chose quoi. Faut améliorer la RAM et démarrer le PC avec l'OS quoi. Donc on va faire ça. On va en poser genre un ici. Bon, déjà va falloir enlever la poussière. Voilà tout simplement. C'est logique. Hein. Voilà. Et on va en poser un ici. Ok, plutôt pas mal hein. Voilà, on peut le voir en détail ici. Donc ça c'est vraiment bien qu'ils aient fait ce jeu parce que bon, on peut voir vraiment les trucs en détail et tout dedans quoi. Dans les PC et tout, ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc on va faire déjà celui-là. Donc déjà celui-ci, on va déjà le nettoyer. Parce que déjà je peux. Ah non, il faut que je l'ouvre. Donc déjà retirer. Boum. Tac, ok parfait. Donc vous voyez, il est quand même poussiéreux le truc. Donc on va faire ça, comprimer. La poussière s'enlève là. Ouais, ça a l'air. Voilà. Impeccable. Parfait. Je pense que c'est bon. Là, ok, c'est bon. Donc, ça c'est bon. Ensuite, donc on va faire. C'est moi, j'arrive pas à me répondre dans ce jeu. Alors, encore, on met le truc, petit fait. Juste pour voir un truc. Hop, évidemment, on remet les câbles. Donc, déjà l'alimentation. Bim. Ça ici. Ça. Ici. Bim. Ah j'ai oublié ça. Bim. Ok, normalement c'est bon. Alors. Si on allume, ça fait quoi? Donc vous voyez qu'il est allumé hein. Donc voilà, donc là c'est bien en vert le carré là. Juste là là. Là où je prends ma souris. Donc on nous dit bien que le PC peut démarrer en utilisant l'OS. Donc ça c'est tranquille. Et donc il va falloir améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Donc tout simplement. Donc on va éteindre le PC, voilà. Voilà, il s'est éteint correctement. Ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on peut voir l'intérieur et tout, ça c'est cool. Hop. Et l'autre on va regarder aussi. En mettant les câbles. Donc pareil, hein, le PC peut démarrer jusqu'à. Enfin le PC peut démarrer en utilisant l'OS et améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Donc voilà tout simplement. Hein. Pam. Bim. Bim. Hop, et bim. Après démarrage, on l'allume ici. On regarde.
Très stylé l'éclairage. Et c'est parfait. Voilà, impeccable. Oui, on peut voir le détail et tout des composants qu'il y a dans le PC et tout, c'est vraiment incroyable. Évidemment, c'est une simulation, donc c'est un peu normal, mais franchement, c'est quand même beau, quoi. Donc voilà. Donc pour l'étain, donc ça c'est bon. Ok, ça en est bon. Alors du coup, il va falloir acheter deux trucs de ROM. Donc on est dans boutique, mémoire, et évidemment, on cherche du 16 Go évidemment. Hein. Donc soit on met du 8x2 ou soit on met du 16 Go direct. Bon, en général, ce que je fais, c'est que je mets du 16 Go direct, si j'en trouve évidemment. Sinon, je mets du 8x2. Voilà, bah tiens. Là, on en trouve juste ici. Ou soit là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Tac. On met x2. Voilà, bim. Livraison le jour même. Bim, on prend. Hop. Comme ça, on trouve juste ici. Voilà, bim. Nos deux mémoires de 16 Go. Voilà, bim. Alors. On va déjà faire ça ici. Alors. On va déjà enlever le panneau. Le panneau latéral, évidemment. Bim. Bim, ok. Ensuite, comme ça, hop, on ouvre. Là aussi. Comme ça, on prend. Bim. Et on installe. Enfin, on va venir installer la nouvelle. Alors, c'était dans mémoire. Voilà. Donc, celle-là, on va la vendre. Bim. Voilà. Et on la remplace par la 16 Go. Ah, c'est bon. Voilà, bim. Alors. Attends, on referme. Ah, bah non, c'est bon. Ok, donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on réinstalle le panneau latéral. Voilà, bim. Hop. Bim. Vous voyez, c'est un jeu assez chill hein, quand même. Hein. Voilà. Et on va faire de même pour l'autre. Donc, juste ici. On a déjà la barrette de mémoire de 16 Go du coup. Alors. Donc, pareil, là, on retire le panneau latéral. Ok, il y avait juste un truc à retirer. Une sorte de vis quoi. Bim. On retire ça. On va installer. Mémoire. Du coup, celle-là, on la vend. Oui. Bim. Et après, on installe la nouvelle. Et bim. Voilà. Et on réinstalle le panneau latéral. Donc ensuite, on vérifie tout simplement, par exemple, sur celui-là, en le démarrant. Donc bim, on le démarre. Oui, c'est un jeu assez chill. Hein. Voilà. Donc ça, on est correct. Il démarre bien tout ça, donc tranquille. Donc celui-là, on l'a fini. Et celui-là, donc il est branché normalement, il n'y a plus qu'à allumer. Bim. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Impeccable. Impeccable. Donc vous voyez, là, une fois que le PC est fini, on nous dit en rouge... placé dans la zone de livraison. Donc ce qu'on va faire de suite hein. Donc par exemple celui-là, bim. On va le poser ici. Bim. Et celui-là, on fait comme ça. Clic droit évidemment. Et on le dépose clic gauche. Voilà, bim. Comme ça on fait. Du coup ouais, il faut faire ça. Donc comme ça on a quitté le travail. Là on fait terminer la journée. Bim. Et donc là on fait aller au travail. Et là vous voyez que tout simplement on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 PC à réparer. Donc après voilà. Donc par exemple le premier ça nous dit quoi? Alors lui il nous dit le PC peut démarrer en utilisant l'OS et retire la poussière. Donc simple. Lui on nous dit quoi? Améliorer la RAM jusqu'à 16 Go, d'accord. Lui le PC peut démarrer en utilisant l'OS et supprimer les virus, d'accord. Et lui retirer la poussière, améliorer la RAM jusqu'à 16 Go et le démarrer en utilisant l'OS. Ok, d'accord. Bon, bah, ça va être des trucs assez simples. Ah, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que, hop. En fait. Voilà, récupérer. Bim. Donc, ignorer. Récupérer. Bim. Ignorer. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Là on fait accepter, là on fait accepter. Ok, donc les autres sont en transit, ok. Donc du coup. Ah ok, donc là du coup on en a plus que 4. Donc celui-là c'est juste un truc à nettoyer apparemment. Juste la poussière à retirer. C'est ça hein. Ouais c'est ça.
Donc, mince. Alors, on va faire ça. On va retirer le panneau central. Bim. On va faire ça, air comprimé. Alors, c'est la poussière. Parti du coup. Désolé pour le bruit, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Bim, on retire tout bien. Bien correctement. Hop, les composants, tout ça. Voilà, impeccable. Normalement, je pense que c'est bon. Là, on fait installer. On remet le panneau latéral. Bim. Voilà. Et en le branchant, on va vérifier s'il démarre bien avec l'OS. Bon, moi, ça vous apprend un petit peu, en fait, comment s'occuper de votre PC, hein, tout simplement. Donc, on allume, bim. Et on regarde. Et bah c'est tout good. Donc on le prend. On le place dans la zone de livraison. Bim. Ok. Ensuite. Il n'y avait pas un autre à nettoyer ou je sais plus quoi. Lui c'est améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Lui c'était juste supprimer les virus. Et lui c'était quoi? Retire la poussière, améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Ok d'accord. Donc admettons on va faire... On va faire lui, tiens, pourquoi pas. Par contre, il va falloir qu'on lui retire la poussière lui aussi. Donc, installer. Non, d'abord, on va faire enlever le panneau latéral. Bim. 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 Voilà. Là, on fait installer air comprimé. Et retire la poussière. Tout bien. Voilà, tac. Je pense qu'on est pas mal. Ok. On va revenir passer le panneau latéral. Bim. 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 Et bim. Ensuite, on va venir installer les câbles. Bim. Bim, bim, ok. On le démarre. Ah bah c'est comme l'autre. Comme l'autre que j'ai en face ici là. Pas le fond d'écran quoi. Alors. Par contre, ouais, il a pas de... Parce qu'il faut une clé USB. Bim. Donc là on fait installer. Ça va être dans outils je crois. Voilà, clé USB. Bim. Voilà dedans, on fait ajouter ou supprimer des programmes. Et on va dans scanner antivirus. Donc oui. On le redémarre évidemment. Voilà pour après évidemment pouvoir évidemment bah, supprimer les virus. Hein. Donc on va scanner, démarrer l'analyse, nettoyer les fichiers. Voilà, bim. Et là normalement ça devrait être bon. Voilà, parfait. Donc on l'éteint, bim. Et on le récupère. Hop, bim, voilà. Encore un autre de près. Donc bah celui-là, admettons, on le passe ici. Et l'autre, on le prend. Et on va l'installer tout simplement ici. Voilà. Alors, donc lui, on nous dit par exemple, donc améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Ok. Et lui, on nous dit, retirer la poussière, améliorer la RAM jusqu'à 16 Go. Ok, donc c'est très simple. On va déjà faire celui-là. Alors, déjà, ouais, faut retirer la plaque, quoi. La plaque en verre. Bim. Et poussière. On retire la poussière, quoi. Bim. C'est mieux correctement. Là, je pense qu'on est bon. Ok, parfait. Là, on est bon là, je pense. Ensuite, donc on remet le panneau latéral. Ensuite, on met les câbles. On va le brancher et on le démarre. Ah mince! Et
Ah oui, c'est vrai, on devait le lui mettre de la RAM, c'est vrai. Donc on va faire boutique ici. Mémoire. Alors 16 Go, 16 Go, 4 Go non. 4, 8, 16. Boum. On prend celle-là. Boum, on achète. Voilà, bim. Hop. On récupère ici. Ok, bim. Ouais, ça c'est rapide, hein. Comme ça, moi, c'est tranquille. Alors, ça, on retire. Bim. On fait ça, bim. On fait aussi. Ça, on peut récupérer la barre de RAM. Ensuite, on fait ça. Là, c'était dans mémoire. Celle-là, du coup, on va la vendre. Oui. Voilà, bim. Et on passe par celle-là. Bim. On remet la pièce, le panneau latéral. Bim. On remet évidemment les câbles. Ah bah c'est bon. Il était déjà câblé. On le redémarre. Et normalement ça devrait être good. Parfait. Voilà, ça c'est bon. On va s'occuper vite fait de l'autre. Bim. Alors. Ah bah c'est pareil, c'était améliorer l'arme jusqu'à 16 Go. Ok, donc j'aurais dû en prendre 2. Attends, on va le prendre. Voilà, bim. Quand les 3 ils sont réparés. Attendez, déjà on va faire ça. Hop, bim, boutique, mémoire. Donc on va prendre la même, hein. Voilà, bim. Donc oui, acheter. Et donc quand même, bim, voilà. Hop, on fait ça. On récupère, bim. On fait ça. Déjà, on va retirer le panneau. Bim. Avant de mettre la nouvelle RAM, on va nettoyer quand même. On peut le mettre correctement. Bah, je pense qu'on est bon. Ok. Donc, on fait installer. Ah, mais je sais pourquoi. Bah oui, parce que j'ai parti à l'autre. Putain, mais franchement. Ok, bim, on la récupère. Donc maintenant, on va pouvoir l'installer. Déjà, on vend celle-là. Voilà, bim. Et on installe la nouvelle. Voilà, impeccable. Donc maintenant, on remet le panneau latéral. Hein. Bim. Ok. Bim. On remet les câbles. On démarre. On le récupère et on le place dans la zone de livraison. Ensuite, on fait ça. Mail. Alors, donc lui ignoré. Bon, celui-là ouais, ignoré. Alors, récupérer. Ok, ça c'est good. Récupérer. C'est good. Ignorer. Récupérer. Parfait. Ignorer. Récupérer. Voilà. Pareil, c'est la tunas. Donc voilà. Et puis bah, le reste. Bon, ça, ok, ignoré. Bim. Alors. Ah, on atteint le niveau 4. Ah, c'est cool ça. Ok. Ignoré. Ça, c'est pour le fait qu'ils aient ajouté les pièces. Ok, ignoré. Et ça. Ok. Ignoré du coup. Donc les autres, ils sont ils sont donc en transit. Ok, d'accord. Bon, bah en tout cas, voilà. Je pense qu'on va se laisser ici les amis. Donc ça c'est plutôt cool, on a quasiment tout fait hein. Donc on va quitter ça, voilà bim. Et on éteint. Voilà, tout simplement, simple que ça. Allez, ciao. Moi je me barre. Termine la journée. Voilà bim. Ça on fait ça, bon là on a encore des trucs à réparer. Mais bon bref, on verra ça plus tard. Donc voilà en tout cas les amis, c'était donc une vidéo assez chill sur le jeu PC Building Simulator. Bah sur PC évidemment. Alors, je sais pas s'il existe sur d'autres plateformes, genre je sais pas s'il existe sur PlayStation, sur Xbox ou sur Switch, je ne sais pas encore. Mais en tout cas sur PC il est bien sympathique. N'hésitez pas à le télécharger dans l'Epic Game Store, voilà. Donc il est disponible je crois gratuitement dans l'Epic Game Store. Donc n'hésitez pas. Évidemment on va quand même faire sauvegarder. Du coup c'est celle-ci. Voilà. Donc celle-ci on peut l'enlever. Oui. Donc du coup. Ah bah du coup ça va sauvegarder automatiquement. Ok d'accord. Donc du coup on sort. Menu principal.
Et oui. Donc voilà les amis, c'était encore une fois une vidéo chill sur le jeu PC, donc PC Building Simulator, sur PC évidemment, voilà. La prochaine fois j'essaierai de vous faire la même chose sur ce jeu là, mais sur l'extension IT, donc qui s'appelle IT Extraction tout simplement. Donc voilà, j'étais du coup en mode carrière, donc du coup voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche des notifications. Et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne secondaire pour les rediffusions de live évidemment que je fais sur Twitch en ce moment. Et puis nous on se retrouve tout simplement la prochaine fois, donc pour une prochaine vidéo gameplay, que ce soit sur PC ou sur Switch, enfin n'importe, voilà. Et vous pouvez toujours aussi me retrouver sur Twitch, donc évidemment tous mes réseaux sociaux seront donc en description. Vous pouvez aussi évidemment me retrouver sur Twitch hein, quand je fais des lives, que ce soit en semaine ou le week-end, comme vous voulez. Voilà, allez, moi je vous laisse là, c'était GeekStyleGamer, et ciao à la prochaine les gens, et prenez soin de vous aussi, c'est important, voilà. Et ciao tout le monde.